et bienvenue dans ce 23e épisode de Total War Warhammer 2 avec Silostra toujours. Donc on était resté au dernier épisode. Si je me souviens bien, on avait une petite rébellion qui avait pote à l'enclume de vol, donc on était avec notre Bird Plaque en train de se rapprocher, en train de se régénérer aussi. On avait du coup pris Misnar et Thoran Rock. On va faire face du coup à une bataille défensive contre Serra, qui pour l'instant est une armée exclusivement constituée de lanciers, pour ce qu'on a à voir. Et malheureusement, on aura une armée aussi de rébellion qui a pop le même tour dans pas très longtemps. Et puis on était avec Silostra ici, on va, du coup je pense que le prochain tour là je me régène parce que du coup on avait fini une bataille, le dernier épisode, contre le deuxième champ. Donc du coup on va aller vite aider Thor Coruelli, notre allié, enfin notre capitaine plutôt. Juste une petite question, tiens, en ce début d'épisode, on m'a fait la proposition de savoir si j'avais un serveur Discord. Donc oui, j'ai un serveur Discord. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore bien optimisé. Je m'en sers principalement, je l'avais créé à la base pour la coop avec Martin. Donc pour l'instant je dois avoir 3-4 channels. Je pense que je vais le personnaliser un peu plus ce week-end, et puis je laisserai un chat privé pour quand on fasse quand on tourne la COP avec Martin, pour pas que du coup on ait d'interruption dans le stream. Par contre, il y aura des channels publics, hein, tous les autres du coup, dans lesquels je serai, hein, quand je suis là. Si vous voulez venir parler, je passerai au moins une ou deux fois par semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que du coup je vais tout réorganiser au niveau du Discord. Et puis vous dites-le moi, tiens, si c'est quelque chose que si vous passerez, ça vous dirait de parler un petit peu avec moi, puis avec Martin, avec vous, entre vous aussi, histoire de donner des petits conseils. Je sais que ça existe sur pas mal de chaînes, il y a même des Discord qui existent sur qui n'ont même pas de chaîne appropriée sur Total War Warhammer, mais voilà, ça nous permettrait de nous retrouver, d'apprendre un peu à se connaître aussi, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous tenter. Moi c'est quelque chose qui me va. Je n'aurai pas la possibilité, je vous le dis tout de suite et je suis franc avec vous, d'y être tous les jours, mais au moins une à deux fois par semaine, c'est un engagement que je pourrais tenir pour répondre à vos questions, vous exposer ma façon de jouer. Si vous avez des conseils à demander, si vous avez autre chose, n'hésitez pas. Voilà, donc vous me direz, savoir si je prends le temps ce week-end de faire une petite refonte de mon Discord, et puis que je vous publie le lien pour que vous puissiez passer nous voir, et moi et Martin, pour parler de Warhammer ou d'autres jeux, bien entendu, ou autres. On va retourner sur l'épisode. Donc du coup, pour refaire un petit point rapide pour ceux qui viennent de reprendre le display en cours et qui n'avaient pas suivi les autres, on avait donc du coup commencé par prendre Bordelot et Aquitaine en terre bretonienne. On était allé également prendre Couronne. On avait établi une crique à Aldorf. Les vampires qui sont en train de dominer tout le nord de la Bretonie, enfin le centre-nord de la Bretonie, avec une alliance Moussillon, Légion du Tertre et nous-mêmes. L'Empire pour l'instant tient, mais tant mieux pour notre crique. On avait également une crique à Lauterne, on est en guerre actuellement contre Lauterne, où il ne leur reste plus que Thoran Rock et l'hôtel de Cain, sachant que pour l'instant, Lauterne est en train de se faire éclater depuis le début de partie, il s'est fait éclater par Aberlan. On a également notre pote, avec qui on s'entend bien, notre Noctilus qui est ici, qui a l'air de, mine de rien, avec 6 colonies, même si son armée est pas folle, a l'air de faire son petit bout de chemin. Il a colonisé Margrita et Tobaro, il a l'air de les avoir bien boostés. Ils ont l'air d'être boostés. Donc aussi on a une petite crique à Vilbali, et son cimetière des Galions est imprenable pour le moment. On est en train de monter les relations avec la Renaissante et avec également Malekith. On avait également établi une crique à Karankar, et on s'apprêtait à en poser une sur Agref une fois qu'on aurait fait un pacte de non-agression avec Malekith. Donc ça monte beaucoup partout, on va éviter pour l'instant de les froisser. On attendra de poser un petit pacte avant. Voilà pour où on était, on va passer le tour. On va juste avant, voir quel niveau... Et mon seigneur ici. Bon, niveau 1. Allez, on va passer. Parce que du coup, c'était pour l'associer à une fonction, hein, quand il sera niveau 5. Donc on va explorer. On était en guerre également contre Exalt et Nagarit. Hein. Enfin, Nagarit qui nous avait déclaré la guerre, allié militaire avec Exalt. On était donc en guerre contre les deux factions. Donc le let's play, pour l'instant, assez sympa.
où ça bouge. Moussillon a débarqué à Elysia et ils sont en train, avec deux armées, de ravager le nord de. Le nord d'Ultuan. On va voir s'ils vont venir nous aider d'ailleurs ici. Ça pourrait être sympa. On est en guerre également contre les exilés de Néek, qui sont bien au nord. Je pense pas qu'ils vont nous poser trop de problèmes. On avait déclaré la guerre aux exilés de Néek, c'est nous qui l'avions fait. Pour fortifier du coup un pacte de non-agression ou un accès, un accord commercial, non, un accord commercial, je crois, avec Malekith. Du coup, on va regarder ce que Moussillon va faire. On est rang de force 1, je crois, ou 2, hein, peut-être. Je crois que c'était pas Kislev qui était rang de force 1 dans la partie, je crois que si. Donc on va voir. Ah, qui se lève, ils ont pris un coup, hein, vous avez vu. Donc peut-être que c'est nous qui sommes passés Round Force 1. Moussion n'a pas encore joué, ils sont là. On va se mettre en mode normal, voir ce qu'ils vont faire. Ok, donc c'est cool, ils viennent avec le Duc Écarlate nous aider. Donc je pense qu'ils vont mater la rébellion dans un premier temps. Voilà. C'est chose faite. Et avec un coup de chance, ils vont venir attaquer maintenant. Mais je pense pas qu'ils aient la range. Ouais. Oh, ils auraient pu venir. C'est dommage. Ouais, ils ont quand même maté notre rébellion, donc ça c'est cool. Peut-être qu'ils vont venir avec leur deuxième armée, mais j'y crois pas trop. Ils ont rien fait. Je pense qu'après, ils vont aller sur Thor-Hashar. Bon, la tribu de la Corne Barbelée, on s'en fout un peu. Et après, les pirates vont espérer qu'ils. Voilà, ils nous ont pas déclaré la guerre. C'est normal. Ok. Du coup, technologie recherchée. On a notre seigneur qu'on avait recruté aussi pour baisser un peu notre infamie. Pour pas que le troisième champ pop. Ouais, on n'aura pas la range pour aller aider, je pense. Même si je me mets en mode marche. Pourquoi si je me mets en mode marche, on voit pas? Ouais, on n'aura pas la rendre même en mode marche. Donc je me demande si on va pas rester encore un petit tour. Là, on est quand même bien régène. Par contre, pourquoi elle ne. Ah oui, si, on est full régène en fait. Hein. On est full régène. Je me demande si on va pas aller péter cette armée là. Il y en a qui arrivent 10. Ouais, on va aller les péter, je pense. Et on va aller après remonter sur Tor Coriali. Ça va être une grosse bataille aussi ici. À Mithnar, on va se mettre une petite garnison, je pense. On a 1700 de thunes, donc c'est pas énorme. Ici aussi, on va aller mater la rébellion. On va aller prendre du coup. Allez, on va prendre l'explosion puissante. L'entraînement, ça peut être pas mal aussi hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas grand-chose. Ils sont 14. On va y aller. Du coup, bah, on va la faire, hein. Malheureusement, on est bien obligé. On va la faire, et puis du coup, pour la suite, du coup, j'annoncerai également du coup le programme de la suite de la chaîne sous une petite vidéo trailer, je pense, si j'arrive à en faire une, avant les vacances de Noël, pour qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire en ce début d'année. Donc vous savez qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent. J'ai un petit pro enfin, on a un projet de let's play avec Martin. On a la campagne des elfes sylvains qui va arriver. On a la campagne à l'arrière à finir, la campagne d'Elbron à finir aussi. J'ai essayé de poster un petit épisode ce week-end, je pense, pour qu'on avance un peu cette campagne, que je vous invite du coup à voir. Hein. Ça vous fera voir un petit peu aussi les elfes noirs en fin de campagne avec des grosses armées, tout confédéré, donc Malekith, Elbron, Morati dans la même faction, avec des troupes du chaos, où c'est des grosses bastons. Donc il nous reste pas tant que ça à faire. On a juste à attendre une quinzaine de tours qu'un bâtiment se construise pour finir le let's play. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va parier. Ah, on a raté. Ça nous arrive pas souvent, mais ça peut. Ils ont un peu d'artillerie, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire du classique. Je pense qu'on va les. On en a plus qu'eux de toute façon, donc on va les laisser comme ça. Je vais juste mettre une caronade ici. Du coup, on va s'écarter comme ça. On va se remettre ici à la limite. Et puis du coup, bon, pour l'instant, on va faire hop, groupe 2. Nickel, on a ce qu'il faut ici.
On va se mettre comme ça. On va mettre eux devant. Et vous, vous allez être la première ligne en groupe 3, comme ça. Nickel. On va avoir notre artilleur qui va être ici, notre capitaine ici. Et vous, vous allez rester là. Allez, go. Ok. Donc, on va gérer tout ça. De toute façon, j'ai l'impression que ça se gère pas trop mal, là, pour l'instant. Avec l'anti-large sur le large. On dirait que c'est pas mal de faire ça aussi. Allez, péter l'archerie, plutôt. Après, leur cavalerie, la cavalerie est ici. Allez, normalement, ça touche. Parfait. Voilà, un peu plus moyen celui-là. Ok. Allez, on commence à avancer un peu. On va remettre l'anti-large devant. Toi, tu vas venir ici. Allez, go. Ouais, toi tu vas me dire, tu vas me focus ça, toi aussi. Tu vas me focus ça. On va mettre un petit debuff ici. Ok. On va continuer à focus l'archerie avec eux. Là vous aussi, vous allez me focus ça. Eux ils sont ouf, ils sont là, vous allez venir ici, vous allez juste reculer un peu, on va activer le buff. Ok. On va booster les taux de réserve. Au niveau du commandement on a l'air d'être bon, on peut baisser le commandement, on va le baisser le commandement sur leur seigneur, leur prince là, on va le finir. Toi aussi tu vas rester là-dessus. Tu vas me balancer une explosion puissante là-dessus. Je peux voir un peu ce que ça donne ça. Oh c'est sympa hein. Parfait. Vous allez me focus ça, vous ça. Au niveau de l'archerie ça a l'air d'être bon. On a récupéré ces sorts là. On va peut-être les balancer là-dessus. Ok, on va continuer là-dessus. Vous allez quand même reculer un peu. Vous allez venir ici. Vous aussi. C'est vrai qu'on a des canonniers maintenant, ça c'est bien hein. Allez, on continue. Lui, il a l'air de bien se défendre. On va lui remettre un petit sort ici. Vous allez péter ça. Là, ça a l'air d'aller. Vous me les empêchez de revenir. Vous aussi. À la limite, vous allez me focus ça plutôt. Le problème, c'est que c'est leur. C'est ça le problème. Alors, ouais, eux, ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Je pense qu'une fois qu'on aura fini leur prince, ça va aller plus vite. Hein. Allez, focussez-moi ça. Ok, ici ça plie. Ok, on va commencer à focus l'artillerie. Alors tu me diras, c'est bon, ça fuit. C'est la victoire. On va en péter le plus possible, hein, parce que comme je vous rappelle, là par contre, ça c'est une bataille hors garnison. À la limite, il faut me focusser ça. Je pense pas que ça serve à quelque chose ici. De toute façon, on ne pourra pas faire plus, je pense. Allez, on va stopper là. On aura perdu du coup quand même une unité de canonniers. Hein. C'est des canonniers qu'on a perdu, donc c'est pas rien. Il faudrait que je la revoie pour voir où est-ce qu'on les a perdus bêtement. Leur artillerie qui nous a fait mal, c'est vrai qu'on n'a pas de mobilité. Il nous faudrait un ou deux mongules dans cette armée. Hein. C'est pas grave, on XP un peu. Est-ce qu'ils sont... Ouais, je vois pas. Ouais, ils sont peut-être fait prendre par des lanciers. Parce que je
je pense pas que l'artillerie ait fait le taf. On voit quand même que notre artillerie, là, elle fait vraiment elle fait vraiment le plus gros du travail, et notre infanterie lance-projectile aussi, qui a fait vraiment qui a fait le café. Enfin, je regarde s'il est anti-large ou il est anti-infanterie, lui, parce que j'ai un petit doute. On a dit que c'était notre armée de. Ouais, c'est une armée. Je veux dire une armée de crap, mais en fait, il y a quand même du. Il y a quand même du garde. Une régène, ça peut être pas mal, mais on va plutôt prendre la thune, je pense. On a quand même besoin. Ok. Donc il est passé niveau 11, notre Bird Black. On va lui prendre l'évasion. Et on va aller finir. Putain, je suis obligé de la refaire, quoi. Faudrait que je fasse aussi une vidéo sur les mods parce que j'en ai quand même pris pas mal pour. Alors c'est comme je vous ai dit des modes graphiques, mais j'ai aussi aimé le mod qui résout les bugs de la communauté là. Apparemment il y a pas mal de petits bugs. Je vous le conseille ce mode parce qu'apparemment il est save game, déjà il est save game compatible et en plus il est compatible avec tous les autres modes. C'est la communauté qui du coup, enfin des modeurs de la communauté qui corrigent tous les bugs présents sur le jeu. Alors je crois qu'il y a des choses de. Du style, quand Urgrim prend une ville, il peut pas construire s'il prend telle ou telle ville à tel moment de la partie. Enfin, c'est des petits trucs, plein de petits trucs qui corrigent pas mal de petites choses. Donc, il n'y a pas du tout de rajout, c'est juste de la correction que j'ai rajouté. Donc, du coup, et puis autrement, tout le reste, hein, c'est du mode graphique. C'est du mode graphique, donc ne vous étonnez pas si vous voyez que les unités dans ma partie ne ressemblent pas à celles que vous jouez vous. C'est normal. Allez, on va se mettre. De toute façon, c'est pareil. Le problème, c'est qu'ils vont toujours avoir leur artillerie qui vont nous casser les pieds. On va faire beaucoup moins de chichis. On va se placer vraiment, vraiment à la mort molle là. Hop. Là, c'est vraiment. Regardez, regardez avec quoi ils nous font jouer à la bataille alors qu'on est. On est. Tranquille, quoi. On va avancer un peu. Voilà. Allez, vous allez me focus tout ça. Vous allez me focus ça, vous ça. Allez, j'ai envie de dire tous là-dessus. On active le buff. On continue comme ça. On débuffe le tout ici. On continue l'anti-large full là-dessus. On va quand même mettre un là-dessus. On va mettre lui là-dessus. Voilà. Allez, ça fuit. Tout ça pour ça. On va laisser tirer un peu quand même. Allez, on va passer. J'espère juste que là, si on la refait en. Si on peut la refaire en auto, ils vont pas me faire perdre encore bêtement des unités. Parce que là, du coup, c'est. C'est assez chiant de voir ces petites batailles. Mais c'est pas grave. Ça nous fait XP, ça nous fait prendre de la thune. Ils ont fait quand même des dégâts encore, hein. Comme j'ai pas encore eu pu tester le jeu, j'ai pas pu tester le jeu hors Côte Vampire. Vous me direz aussi en commentaire si ça vous est arrivé de faire des parties avec une autre faction que la Côte Vampire et que la Côte Vampire du coup vous a posé des problèmes ou avait des grosses armées. Que j'aimerais bien savoir comment ils constituent leurs armées. Est-ce qu'ils mettent quand même pas mal d'artillerie? Est-ce qu'ils ont des bonnes armées à la fin de la partie? J'en sais absolument rien. Donc dites-moi en commentaire vous si vous avez fait des petites parties comme ça. Ça m'intéresse quand même de le savoir.
Je suis curieux de voir comment l'IA la joue. Si c'est des factions qui restent sur la carte de bataille jusqu'à la fin fond de la partie. Est-ce que vous avez des problèmes avec les creeks qui ont été mis en place par l'IA? Je sais pas. Franchement, je l'ai jamais joué contre, donc j'aimerais bien que vous, si vous avez déjà testé, que vous m'en fassiez des petits retours. Allez, hop. Parfait. Donc là-dessus, on va plutôt prendre. On va prendre la régène. Hein. Ok. Et on va se remettre à l'enclume de vol. Au pic blanc, ça va péter dans pas longtemps, mais je pense qu'on aura largement le temps d'y aller. Donc on va se régénérer déjà ici, on est passé niveau 12, on va prendre du coup le soleil violet et après on ira prendre l'attaque éclair je pense. Hop, toi du coup tu vas pouvoir enfin prendre alors l'œil de lynx ou... Ouais, on va prendre l'œil de lynx qui nous booste du coup en zone les projectiles parents et les dégâts à distance. Donc ça c'est vraiment pas mal en passif. Et puis du coup bah, on va continuer à faire nos batailles. Hein. On va déclarer la guerre, on va pas les appeler. Alors ça, une belle petite bataille à 20 contre 20, il y aura du garde noir, il y aura de la manticore, il y aura un Charybdis 10. On nous annonce largement défavorable. L'armée à XP aussi. Histoire qu'on contrôle la mer comme on le devrait. Hein. On était presque rang de force en infamie 1. Faut qu'on montre qu'on est capable de tout péter. En termes d'antilar, je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Pour aller casser leur cavalerie, ça va être les mages du faux maudit à focus en prio. Leur Charybdis, je pense pas qu'il va nous faire trop de dégâts. Après, c'est les manticores qui sont chiantes. Elles ont quand même 499 de dégâts, de dégâts des armes. Après, le reste, je pense pas que ça nous pose problème. Après, on a une armée plus offensive là. Hein. On a que deux canonniers et quatre unités d'artillerie. Donc, ça nous fait que 6 unités de tir avec notre artilleur. Bon, on a une Queen Bess quand même. On a la Queen Bess là-dedans. Va pas falloir qu'on fasse les cons avec notre cavalerie là. Du coup. Allez, on va se mettre ici. La Caronade, on va la mettre là. Où est le Charybdis 10? Il est au milieu. On va la laisser comme ça. Alors après leur cavalier du faux. Donc les mages du faux maudit sont là. Cavalier noir, ouais. Ils sont un peu chiants. Je pense qu'on va les mettre ici. Ou même ici. Pour commencer, je pense que ça peut être pas mal. Donc un nécrosphex ici. Un nécrosphex ici. Deux canonniers sur le devant. On leur enlève ça. Et après, du classique. Donc, hop. On va mettre les sirènes. Ok, de ce côté-là. L'anti-large, il est de ce côté-là, il est bien placé. Et de l'autre côté, il ne l'est pas. Donc, on va plutôt le mettre comme ça. On va le mettre ici aussi. Il nous faut de l'anti-large. Comme ça. On va se mettre comme ça. Silostra devant avec son Kraken là. Enfin, sa pieuvre, pardon, plutôt. L'anti-large encore sur les côtés, on va la mettre ici. Et lui, il va nous rester bien à côté de la Queen Bess. Ici, c'est parfait. Donc je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. On va du coup commencer. Donc, on change pas le début qui gagne toujours, c'est-à-dire ça sur la Queen Bess. Et on va focus les gardes noirs. Alors toi, à la limite, tu vas me focus ça. Vous allez me focus ça et ça. Allez, normalement, ça touche. Ils ont quand même reculé là-bas. Allez, on commence à faire le tour. J'en veux un ici et l'autre ici. Allez, c'est bon, ça commence à attaquer. Donc la Queen Bess, tu me focuses toujours ça, s'il te plaît.
Toi, on est bon là-dessus. Toi, focus-moi l'archerie, toi aussi. Ok, le paladin sur les mages du feu là. Du coup, toi aussi. Tu vas me faire pop ça. Fais-moi pop ça là, si tu peux. Allez, on va commencer à avancer. Ici, on est bon. Alors, on va hop réapprovisionner la petite queen. Oh, les mages du feu, ils sont en train d'éclater. Bah ouais, c'est de l'anti-mange qu'il va falloir que je commence à mettre le buff. Ici, on va mettre ça là. On va faire pop ici ça. Ici, on va faire pop ça. Est-ce que vous, vous arrivez là-dessus? Non, allez, go là-dessus. Vous allez venir là-dessus. Toi, tu vas me faire un debuff ici, tu vas me faire un debuff aussi là. Après, vous allez me pop ça ici. Ouais, vous allez venir dans la mêlée tout de suite. Du coup, vous, vous allez me focus ça, vous aussi. Queen Bess, les sombres traits, on s'en fout un peu. Focus-moi ça aussi, Queen Bess, hein. Toi aussi. Allez, on va booster ça, on va donner une résistance aux dégâts. On va encore booster la précision de la Queen Bess. Faut vraiment que la Queen Bess, elle nous les éclate, ceux-là. Allez, viens là. Vous, vous renez derrière. Ok, de ce côté, c'est bon. De ce côté-là, on les a fait fuir. Allez, on continue comme ça. Parfait, c'est la victoire, on n'a rien perdu. Allez, on continue. Bon, bah ça a l'air d'être pas mal tout ça. On a fait quand même ce qu'il fallait faire. Moi, je pense que ça sert à rien de faire continuer de toute façon. On a failli peindre nos sirènes de ce côté-là, les mages du feu maudit qui nous ont bien éclaté. Mais fallait y penser. Hein. Fallait y penser, du coup, ben, je crois qu'on n'a rien perdu hormis les unités invoquées. Hein. Si je dis pas de bêtises, on n'a rien perdu. Oh là là, l'artillerie. Là, on a vu que ça commençait à faire du dégât. Leurs manticores qui n'ont rien fait du tout, elles se sont fait focus par la caronade dès le début. En plus, on a une caronade de Rangol, mine de rien, ça fait la diff. Donc à part ces sirènes-là qu'on fait un peu n'importe quoi parce qu'on les a mal placées, le reste a vraiment bien bossé. Eux ont vraiment rien fait. Hein. C'est vraiment leur cavalerie ici qui a fait des dégâts. On a perdu 186 troupes contre eux qui en ont perdu 1000. Donc il y a grande probabilité pour qu'on prenne... on va prendre la thune, je pense. Hein. Je pense qu'on va prendre la thune et on va aller la finir cette armée. Hein. Il n'y a plus grand chose. On n'a pas besoin de se régène, je pense. Et on aura du coup une autre unité de renom. Donc on n'aura pas beaucoup avancé cet épisode en termes de tours, par contre on aura fait deux petites batailles sympas, on aura effacé une première rébellion et on aura XP récupéré du coup une dé de renom ici. Et puis le but c'est qu'on soit full gold hein, sur cette armée, donc 12% ou 1700 de thunes, plus 1042 ça nous fait 2700. Voir ce qu'il a. Ah, il en reste vraiment rien pour nous embêter. Hein. Donc on va rester comme ça. En plus, on se régène.
On a donc repris un niveau, on va prendre écouter. Et on va commencer à pouvoir donner les boosts extrêmes là, à nos troupes qui sont bientôt Rangold. On a déjà une Rangold ici. Lui, il nous a pris, on va lui prendre un Prométhée pourrissant. On peut le mettre sur Prométhée pourrissant, on va pas s'en gêner. Donc on a récupéré le dernier lingot, donc les artilleurs fantômes, donc les canonniers fantômes. Ça peut être pas mal ça quand même, hein. Ça peut envoyer. Qu'est-ce que j'aurais en trop dans cette armée? Une petite unité d'infanterie, je pense, hein. Une petite unité d'infanterie que j'aurais en trop, éventuellement, qu'est-ce qu'on se ferait? Est-ce qu'on se fait pas. Après, le problème, c'est qu'elles sont toutes bien XP, j'ai envie d'en perdre aucune en fait pour l'instant. Donc je pense qu'on la donnera tout à l'heure, hein, l'unité de renom. On les donnera tout à l'heure. Ouais, ils ont l'air vraiment beau en plus, hein. Allez, on va se la finir rapidement cette fin d'épisode, histoire de pas avoir ça à faire au prochain. Oh, c'est tentant, hein. C'est tentant. Franchement, je pense qu'on perd les sirènes si on fait ça. On va la faire très très rapidement, j'ai pas envie de recharger la partie, j'aime pas, vous le savez. On va la faire très rapidement, on va s'arrêter là, du coup je vais parler de la fin de l'épisode pendant cette bataille, histoire qu'on gagne un peu de temps, enfin surtout moi. Donc pour vous dire que du coup aujourd'hui il y aura un épisode de Sylostra, demain il y aura un épisode de Martin et de Sylostra, on est vendredi, et du coup ce week-end on essaiera pareil de maintenir le rythme, un Sylostra, un Martin, un Elbron, un Martin, un Alariel, c'est l'objectif du week-end, j'espère que je vais arriver à le tenir. Comme ça vous fait le Sylostra, vous aurez quelques épisodes à rattraper. Si vous regardez les épisodes ce week-end, vous aurez quelques épisodes à rattraper, mais pas trop. Et ça vous permettra de revoir aussi un peu ben, du coup Elbron. On se déploie même pas, hein. On va même pas s'embêter. Ça me focus ça, ça, ça. On va accélérer de toute façon. On va mettre nos canonniers là-dessus. Voilà, on va faire un petit debuff là. Ici. On va faire hop. On va prendre notre buff. On va la faire comme ça, hein. Voilà, Queen Bess, tu me continues ça, toi tu me fais ça. On a tué le roi ennemi, les nécros, vous continuez. Voilà, donc du coup, bah, ça vous aura permis de. On aura fait un petit épisode à bataille, hein. Ça fait plaisir aussi des fois parce qu'il y a eu pas mal d'épisodes de campagne les derniers tours, donc bah, s'arrêter sur là je crois que le dernier épisode vous avez eu des batailles aussi, donc là ça fera pas mal de petites batailles. Même si du coup de très intéressantes, il n'y a eu que celle qui a eu lieu juste avant. Après bon, même la bataille de garnison était sympa. Enfin, de rébellion était sympa, mais mon a vu mieux. Et par contre, je pense qu'on va avoir une belle bataille défensive au prochain épisode parce que je pense malheureusement qu'ils vont attaquer dès le prochain tour. Qu'ils vont attaquer dès le prochain tour. Et s'ils attaquent dès le prochain tour, bah, du coup, ça va être du 20 contre 20 à peu près. Certes, nous avec des remparts, mais bon, une forteresse de niveau 2. Et du coup, bah, ça va être assez compliqué de tenir notre ville, mais on va essayer. Et puis, bah, du coup, on va continuer comme objectif également de s'enfoncer du coup en Ul'Tuan. Je pense qu'une fois qu'on aura rasé Lothern, on ira se concentrer un peu sur Exalt. On va pas tout de suite déclarer la guerre à Averlord, parce que eux vont venir tout seuls. J'aimerais bien juste sécuriser bien ma province de l'Enclume de Vol à fond pour pouvoir avoir de quoi maintenir les armées d'Averlord le moment où elles nous déclareront la guerre, parce que je pense qu'ils vont déclarer la guerre le jour où on sera comme par hasard en Exalt pour aller essayer de les finir. Donc voilà les objectifs. Juste avant la fin d'épisode, comme d'habitude, on va se faire un petit point diplo, hein, pour voir ce qui s'est passé avec Malekith. Oh, je pense qu'on va les finir là par contre. Je pense que là, on peut la faire en auto. Voilà. Nickel. Et on va prendre bah, la régène.
Parfait, on a récupéré le bâton interdit. On a, en plus, on sera full le prochain tour, donc ça c'est nickel. On va juste donner notre raie ici avant d'arrêter. Donc on a Marche Mortelle qui booste l'attaque en mêlée des gardes des profondeurs, des boucaniers. Là, ça booste les dégâts des tirs pour les canonniers, les caronades, les martyrs et la reine baisse. Bah, on va faire ça, hein. 12% en plus. Ça, c'est notre technique, hein, on a dit, hein, de toute façon, ici. Après, là, les Terror Geist, les Épaves Annuées, les Mongules, les Sirènes, ça peut être pas mal aussi pour nos Sirènes. Ils sont pas encore Rangold. Et l'attaque en mêlée pour les Maîtres Prométhéens, les Colosses Necrosphex. Mais rang 7, on les pas encore non plus. Là, on a notre Caronade, notre Queen Bess qui sont directement touchées, et une de nos unités de canonniers, la deuxième dans pas longtemps. Donc, on aura déjà trois unités qui sont touchées par notre talent. Donc 12% de puissance des armes et du coup 12% de puissance des armes et donc du coup ça va faire la diff et puis on va donner le niveau à notre paladin qui va prendre un peu plus de points de vie. On va faire juste le point avec notre ami Malekith. On est passé à 10, donc pour l'instant c'est toujours insuffisant et je pense que voilà, on peut commercer toujours avec personne. Donc on s'arrêtera là sur ce petit échec diplomatique. On attendra donc du coup, hein, Agraef, ça sera notre prochaine cible. On a récupéré la capacité, je vous rappelle, le dernier tour. On attend juste de pouvoir faire un petit pacte avant de leur faire ça pour pas qu'on ait trop de malus de pénalités diplomatiques. On va suivre Moussillon, on va savoir un peu l'avancée de Moussillon. Ça peut être super sympa de voir aussi un let's play où Moussillon, Moussillon est une forte puissance. Et puis comme je vous disais, on va aller, je pense qu'on va s'arrêter à Torhamrock parce qu'après ils sont relativement loin à l'hôtel de Kane. Donc je pense que Torhamrock, on ira la prendre pour sécuriser la ville, la province du Pic Blanc là. Et ici, on va continuer à se fortifier à fond pour être tranquille, histoire d'avoir les mêmes fortifications que dans notre province de départ où on est relativement tranquille. Et on ira du coup faire l'assaut de Exoalt pour, on va dire, avoir toute cette partie-là le plus possible du Tuan. On va continuer notre développement en Bretonnie et puis on ira peut-être même. À quoi que les Bretonniens sont. Les vampires sont bien allés là. On ira peut-être du coup côté des rois des tombes, ça peut être sympa, on verra le climat, ou peut-être au nord, au sud, au niveau des Skaven, on verra, on ira faire un peu ce qu'on veut. J'attends votre suggestion. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse une fois qu'on aura mis, on va dire, les hauts elfes et les hommes lézards sur le tapis? Ça va arriver dans quand même un peu de temps, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va s'arrêter là pour cet épisode, du coup, bah, moi j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez apprécié les batailles qu'on a vues. Donc bah, écoutez, on se dit à demain pour de nouvelles aventures avec Martin et encore avec Silostra. Et puis du coup, à ce week-end pour Elbron et à l'Ariel, et toujours Martin, bien entendu, hein, puisque Martin, on y a le droit 4 fois par semaine maintenant ici, parce qu'on a tellement d'avance sur le let's play, et comme on a un petit projet derrière qu'on va bientôt vous annoncer, on attend avec impatience de vous faire terminer ce let's play, et sincèrement, comme je vous le dis et je vous le répète à chaque épisode, le let's play avec Martin, ça devient de plus en plus intéressant, donc suivez-le, surtout qu'on va pas tarder à s'attaquer à Khemri, et Khemri à 2, c'est une bataille qu'il va falloir voir, parce que c'est beau. Et elle bug pas en plus. De mémoire, elle ne bug pas la bataille de Khemri. Donc attendez-la dès que vous l'avez. Regardez-la, c'est une petite pépite. Et puis du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Vous avez plein de vidéos tutoriels sur la chaîne. Vous avez plein de vidéos de let's play avec pas mal de factions différentes. Des factions, on va faire le tour de toutes les factions quoi qu'il arrive. À un moment, on fera des let's play avec toutes les factions. On va tester la difficulté légendaire que j'ai déjà fait en perso, mais qu'en stream, je l'ai testé une fois et ça va être... Bon, c'était très compliqué, j'ai même pas pu poster les premiers épisodes parce que du coup j'ai eu un crash au bout du 4 ou 5e épisode parce que j'ai tourné les 5 premiers d'un coup et au bout du 4e, au 3e ou 4e, je crois que j'ai eu un écran noir, impossible de charger la partie avant puisqu'on était en légendaire, j'avais qu'une sauvegarde. Donc là on va faire attention, on fera des réglages à chaque fois pour les elfes sylvains. Après il peut y avoir un raté, j'espère pas. Peut-être qu'on les fera plus longs les épisodes, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, vous inquiétez pas, on verra tout ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à me dire aussi la faction que vous aimeriez me voir jouer pour la suite, hein, parce que du coup, mine de rien, à l'Ariel, ça va pas tarder à être fini, et Elbron bientôt aussi. On va démarrer une nouvelle campagne avec les Elfes Sylvains, et puis bah, du coup, moi, il faut que je prépare la suite aussi. Et puis du coup, bah, les jeux que vous m'aviez, dont vous m'avez parlé aussi, ça je ferai des annonces plutôt pour le début de l'année 2019, pour pouvoir un peu aussi faire un petit sondage pour que le 1er janvier, on commence des vidéos de présentation d'autres jeux que vous avez envie de voir, des tutos si vous avez envie d'autres tutos. Là, je penche plutôt sur les
sur Civilization, ça peut être pas mal. Civilization, j'aime bien Divinity aussi, mais Divinity, il faut prendre son temps parce que c'est un RPG où il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de petites choses, de dialogues. Il faut que je le ponce encore un peu pour pouvoir vous donner quand même la meilleure difficulté. Et puis, il y a tous les jeux de Crusader Kings 2 et puis, pas Civilization, Europa Universalis 4, qui sont des super jeux auxquels, généralement, beaucoup d'entre vous sont rebutés parce que. Il y a énormément de choses à savoir, mais j'aimerais bien vous les montrer et qu'on détaille ça ensemble pour que je vous montre que c'est des super jeux qui vous feront passer des jeux. Si vous aimez les jeux de gestion stratégie pure, vous vous régalerez sur ces jeux et j'ai bien envie de vous en montrer quelques vidéos aussi. Donc j'ai pas mal de petites choses. Mais comme je vous dis, vous restez aussi, vous avez votre mot à dire aussi. Donc je prendrai en compte toutes les considérations, on fera des sondages et puis on fera ce que vous souhaitez. Et sur ces belles paroles, je vous dis à demain et passez une excellente journée. Portez-vous bien. À très vite.